Bonsoir. Je me présente Jimmy Kongo, de l'association La Force du Congo. Je suis le combattant. La question c'est, quand je regarde sur internet, je vois M. Tshisekedi demande un dialogue avec M. Kanam. Bon, si c'est vrai, et pourquoi depuis 2011 vous n'avez jamais demandé à dialoguer avec lui? Et aujourd'hui, on cherche à demander cette information. Je m'arrête là. Je le pose la question à M. Félix, s'il vous plaît. Guetta. Bonsoir. Ma question, j'adresse à M. Bruno Mavongo. Vous avez préconisé dialogue. Est-ce que, avec tous ceux qui sont passés au Congo, nous savons si le dialogue est sans civil, ça peut être. Les esprits ne sont pas apaisés. Et les Congolais décident de manière souveraine de passer à la vitesse supérieure. Vitesse supérieure. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas le peuple qui va dire ceci ou cela. Ce sera une décision des Congolais. Un Western Union, comme ils aiment dire, pour
se mettre à se comporter comme ça, ce n'est pas du tout étonnant. Ça n'a aucun impact sur le fonctionnement officiel du parti. C'est ce que nous tenions à marteler. Alors, les co-combattants, ils ont trouvé qui posaient une question à Dialogue. En 2011, on a dit qu'il y a un dialogue, c'est tout comme il y a un dialogue. Non, Nico. Quand il y a un dialogue, tant que l'élection est en 2011, UDPS, par la voix de son président, Babaki Bolo, peuple commun d'Atalme, il y a un dialogue qui a dit non, si il y a un résultat, il y a un dialogue qui a dit non, il y a un dialogue inférieur. Dans le sous-soir, le président le dit, Tola, la première va bébé, hier, on t'a dit pour la vie sur effectivement. C'était effectivement la voie où les Arabes tracé. Et jamais la voie où on a, pour le président le dit, les Arabes soulèvement populaire. Non, pour le bien président le dit, Tola, la première va bébé, dans la bouteille de la vie. Quand était-il? Et Zalaki, toujours de manière propre au président, de manière, j'allais dire, confidentielle, pour amener la neutralisation de Joseph Kabila pour à comment pour passer pouvoir na Mouto et au peuple à Ponaki. Alors, pendant que nous étions en train de nous battre pour la logique ou en la communauté internationale, oui, va d'Aguignier, le 28 novembre, ou enfin, le jour où il voulait la proclamer un résultat, la même communauté internationale, les Ongélibisso, pour le Manon, Kozagi n'a raison. Crise politique est dans la Congo. Tozali, Kobanga, pour l'avenir. Et l'avenir, c'est 2016. Alors, comment faire pour la Tokoma en 2016? En toute académie, dans ma élection, il y a un crédible. Il y a un mot qui se trouve dans le dossier, mais on a mis ça en 2000, non. Mais il y a un mot qui se en 2016, on a l'échéance mis sous. Alors que vous voyez bien ce qui s'est passé en 2011, il y a beaucoup d'imperfections en 2011. Ce qui te connaît, c'est l'imperfection en athée. Mais ça ne sert à rien d'organiser les élections en 2016. Il y a un mot dans la zone qui est en 2016. Non. Pour la Bissot, c'est maintenant, ce n'est pas 2016. Pour la Bissot, c'est aujourd'hui là. Sauf qu'il l'élo. Il faut Kabila l'envoie. Il faut l'envoyer l'élo. Bissot, c'est la 2016. Hein? 2016, le coach a date limite. Mais pour la Bissot, Kabila, c'est maintenant parce qu'il est illégitime, il est illégal. Dans le Bakongo, partout aux abogues de la Congo, que Moujouan ne font pas un jour de plus avant la tête de la Congo. Mais seulement nous le disons en responsable. Parce que les lots, soulèvement, ça va, c'est bien beau. Mais totalement dans le pays, comme exemple, Égypte, Libye, Burkina Faso, soulèvement populaire, ça les magie. D'accord. Qu'est-ce qu'on a observé? Banani va donc pouvoir, quand il y a ces choses-là, c'est l'armée. Oui, mais ça va être banani, basanani, tout l'armée, les lots, au bilan, au côté de la montée, malgré l'eau, il va vous donner la liste, état de droit dans la démocratie. Donc, vous voulez qu'on se retrouve avec un discernement, par exemple, comme président de la République et la transition? Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve avec un Didier Doumba ou un Tango Fort? Non. Voilà, parce que c'est ça qui va arriver. Pour peuple et contact pour la Nantéla, sous les vrais salariés, et c'est l'armée qui va prendre le pouvoir parce qu'il y a un mandat. À Roban, c'est un calme, à l'étoqué, la politicien d'Oké, avec mandat qui allait. C'est un militaire qui prend le pouvoir parce que, au Burkina Faso, attention, n'eût été vigilance de la communauté internationale, c'est Zida qui allait être le président, et Zida, Azana qui, numéro 2, est armé. Il y a garde personnelle et privée, il y a président qu'on parlait. Heureusement que bon, moi, la pression, la Nini, et puis finalement, moi, Nini, mais bon, on est fatigué quand même Premier ministre. Pourquoi on a dit Premier ministre? Est-ce que ce n'est pas la preuve que l'armée continue à contrôler? Voilà le danger, pas le danger, mais le revers, il y a soulèvement populaire. Le peuple va peut-être s'exprimer, mais après, Babo Tolaé, résultat naïf. Ça s'est fait en Égypte. Les lots.
les frères musulmans dans l'autre côté de la montagne, ils pleurent. Hein? Donc, il y a, en Libye, les Libye est confi. Pourtant, au départ, la revendication était légitime. Voilà pourquoi, en partie responsable, Bissot de Lomanon, puisque Bino Mongo, communauté internationale, on rejoint le Bissot. Mais nous, on doit voir le paquet. Depuis 2011, le 28 novembre 2011, ça ne va pas. Eh bien, tout qui est né, la dialogue. Parce que c'est la seule voie pacifique où il faut permettre de s'autocontrôler sur Diamanda. Sous Égypte, il y a Nani, il y a la communauté internationale. Alors, pour terminer la relogue, parce que Naoki, si elle a pas dit, oh oui, mais chaque fois qu'il y a des forums, il y a des mois là, il y a des mecs à perdre. Mais non. Vous avez des fétistes. Dans 1992-92, conférence nationale souveraine, les délégués à ce forum, Bazaraki, tous choisis par le régime de Mobutu, et tous représentés quelque part. MPR, Nakatia Mignon, il y a la palais de Beurre. Mais c'est grâce à la pression populaire. Bon, Bobo Santé, à l'époque, par exemple, on a tué Linnabo. Nous avons dit qu'on a tué Linnabo. Bah, délégué, on va dire, malgré que Bobo est en bon acte, on va corrompre par Bobo. Etienne Tshisekedi a été élu premier ministre à 74%, 74, comme vous dites ici, pourcent. Malgré tout ce qui a été fait pour nous faire triompher logique à Mobutu. Donc ça veut dire que si nous, Congolais, nous voulons, nous pourrons y arriver. Et c'est ce que nous avons dit tout au long de notre campagne, notre salaire de dynamisation. Je dis, maman, tenez-vous prêts. Mogolo Boyo, quand le dialogue est bâti, botter les mains, même par des pressions pacifiques, vous allez voir que vous jouez sur les délégués, Oyo Kabozala. Tenter, il y a vos alas mal intentionnés, dans le cas il y a dialogue. Hein. Et ça aura un effet positif, à la fois sur Bango et même sur les acteurs ou les interlocuteurs de la communauté internationale qui vont comprendre qu'en tout cas il y a une tension au Congo et là vos nécessités, sortir Mongo, heureuse ou évoquée pour ce que ça peut. Parce que c'est nous, le peuple congolais, qui sommes finalement souverains. Donc, Tolinga, forcément, kaka logique. Il y a extrémisme, tu sais, parce que on sait quand ça commence, mais tu es bien et vous êtes. Donc, tout ça, là, vraiment prudent avec ça. Bon, quand il savait que l'UDP s'est commis pour trahir, l'UDP s'est toujours à la poste. Non. Nous l'avons dit clairement. Ceux qui posent des alliés, les alliés, il y a que Kabila, Assali, le ministre de la République, Étienne Tshisekedi, à qui voilà des autres. Mais tout ça pour nous dire que tout est pour notre côté dans le gouvernement, il a dit qu'il y a un ministre. Non, ça vous devez le noter. À l'UDPS, nous ne prononcerons jamais, et l'on va dire, même ceux qui, communauté internationale, ont été amis au sein de la Bébaya, dans la va imposer une sorte de projet, ça va dire non, ça ne va pas se faire avec l'UDPS. Kabila n'est pas du tout légitime, on ne peut pas lui laisser un jour de plus à la tête du Congo. Voilà. Thank you.